même les frères, c'est Jesse Jess, la farge Pokémon. Le mix des deux, j'ai essayé de faire un mix des deux, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre caméraman Pimente. Hello. Voilà, alors aujourd'hui, une vidéo qui s'est faite il y a un an, mais je le fais aujourd'hui même en 2018, alors que le jeu a été fait en 2017, si je ne me trompe pas. Tout l'été 2017, tout le monde était à fond sur ce jeu-là. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu? Nous allons attraper des Pokémon en plein vidéo. Pokémon Go! Yes! Alors, avec mon téléphone, je filmerai le Pokémon Go et Pimente va me filmer en train de jouer pendant tout ce temps. Voilà. Nous allons commencer dans quelques petits instants et on vous dit à tout de suite. Alors, nous revoilà sur la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a des Pokéshops. Je vais vous montrer les nouvelles mises à jour qu'il y a eu sur ce jeu. Voilà. Voilà, hop, on ouvre un autre. C'est bien, il y a deux Pokéshops au même endroit, ça c'est parfait. Parce qu'il me fallait des Pokéballs. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Alors on va attraper un petit Pokémon. C'est une Otaria! Mais qu'est-ce qu'une Otaria? Attends. Ah, je l'ai raté. Je suis trop nue. Oh là là. Ah, mais je l'ai encore raté. Voilà, dans sa tête. Attention. 3, 2, 1. Je me rapproche. Attrapé. Sinon, je rien. Pas besoin de prendre sur mon téléphone. Hein. Là, je filme directement. Et maintenant, nous avons un petit étard. Et qu'est-ce qu'un petit étard? Bah, c'est ce gros petit truc bleu. Voilà. C'est un petit qui s'est couché tard. Un petit étard. Voilà. Et on l'a attrapé. Nous allons continuer. Nous allons avancer jusqu'à attraper d'autres petits Pokémon. Et je vais vous montrer la mise à jour qu'il y a eu dessus. Il y a des petites arènes. Nous pouvons ici même voir des défis. On peut avoir, voilà. Ici, on peut. Ben, ça, c'est les défis. Ici, c'est les Pokémon qu'il y a tout proche. Voilà. Oh, nous avons un petit Pokémon ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, un Possipi. Il est trop cute, ce Possipi. Mais punaise, j'arrive même pas à le viser. Il est tellement petit, j'arrive pas à le viser. Il est devant mes pieds, j'arrive pas. Voilà, je suis un peu nulle parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Voilà, je crois que ça a fait un gros plan sur ma tête. Ça a fait un gros plan, ouais. Mais voilà. On s'excuse du vent arrière, on est en extérieur. Nous sommes dans un parc. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, des séries sur cette vidéo, on fera sur différents parcs qu'il y a près de chez nous. Bien sûr, nous n'allons pas aller aussi loin. Nous pourrons aller à une plage à côté de chez moi. Enfin, c'est un lac, c'est pas une plage, c'est un lac. On pourra aller là-bas s'il faut, si vous le voulez. C'est à vous de voir, nous continuons. D'accord, elle redémarre comme ça d'un coup. Ouais. Regardez-la, en mode Dora exploratrice avec son sac à dos. C'est pas beau ça? Tout ça pour chercher des Pokémon. Oh bah, il y a une arène. Il reste 36 minutes avant que l'arène commence. Qu'est-ce qui a vibré? C'est quoi ça? Un Smogo. C'est quoi un Smogo? Vous verrez sa tête au Smogo, il est horrible. C'est un Pokémon. Oui, bah oui, bien sûr, ce n'est pas une feuille. Bien sûr. Et allez, ça s'est attrapé, on continue. I play Pokémon Go. Mais toi, je t'ai déjà le petit étard, on va pas te rattraper. Et on va continuer, on va avancer. Par où veux-tu aller? Est-ce qu'on prend le petit chemin là? Parce qu'il y a les enfants. Ou on continue là-bas, tout droit? On va continuer, parce que droit à l'image. Voilà. Oh, ils font du sport ici, c'est magnifique faire du sport dans un parc. Ah mais il y a des petits plots partout. Regarde. On va se décaler et laisser les gens faire leur sport pendant que nous on cherche les Pokémon. Alors désolé du bruit, il y a un avion. Une chétiflore en plante dans les cailloux. Mais quel est ce Pokémon? Une fleur.
une chétivore. Tu te souviens de ça dans Pokémon, ce moment où ils disent au début, mais quel est ce Pokémon? Quoi, je l'ai pas attrapé, j'ai dû casser toutes mes Pokéballs là. Oh, tu rentres dedans, non? I play Pokémon. Avec la bleue, tu vas rentrer dedans. I play Pokémon Go. Alors, s'il y a deux qualités de son différentes, c'est un peu logique. Il y a le téléphone de Pimente et le mien. Admirez la beauté de mon téléphone. Amigo. Non, la beauté de la qualité de mon téléphone. On va vers où? La beauté de mon téléphone. C'est pas la même chose, vous voyez pas. On va toujours tout droit? Toujours tout droit. Toujours tout droit. Dieu a dit, si tu marches droit, tu trouveras le bon chemin. D'accord. Je connais bien Dieu, je l'ai filé, il m'a filé son numéro la semaine dernière. Encore la même, on va éviter de la prendre, donc on va déjà. On va essayer de prendre des nouveaux Pokémon. Parce que chez moi, avant, il n'y avait que des ratates. Vous avez bien vu ce bug. Non, pas des ratatouilles. Il n'y avait que des ratatouilles. Attends, il y avait un poisson, un Magikarp. Il a spawn, il a despawn. Il y avait un poisson. Oh, la Ponyta, elle est trop belle. Oh, ma Ponyta, je te veux. Je te veux. Je te veux, ma Ponyta. Ponyta. Oh, elle est trop belle. Oui, je l'ai eue. Elle est contente. Ah bah oui. C'est la danse de la joie. C'est la danse de la joie. T'as la la la. On ira pas plus loin, hein. Vas-y, je te prends en entier pour faire la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Tu ta tu ta tu ta Tout est normal. Rappelons qu'il y a des gens autour de nous et donc elle a l'air d'une folle. Voilà. Jessie Jess est folle. Mais t'arrêtes de me suivre ma fleur, là. Oh. C'est à moi que tu dis ça. Hein? C'est à moi que tu parles. Non. Hop, 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 je change de côté. Excusez-moi, par respect, parce qu'il y a des gens et le droit à l'image, c'est important. On va aller au Poké Shop. Yeah. Bah, comme je disais, chez moi, normalement, il y avait que des ratatas, des rats, tu vois. Et là, il y avait des attends, je vais aller. Ah, c'est quoi qui a vibré? Oh, ah, c'est le tapis, j'ai déjà ça là. J'ai déjà ça là. L'Otaria. Je te dis ça, je te veux pas. Tant pis, hein, j'ai cliqué sur toi. J'ai fait un gros plein sur ta tête. Ah, bah, super. C'est beau. Nous sommes en train d'attraper une Otaria. D'attaper ? Attaper une Otaria. Pokémon, attapez-les tous. Allez, go. Un jour, je serai la meilleure danseuse. C'est vrai. La meilleure danseuse, parce qu'on est des filles. Oh, c'est cool, c'est cet arbre. Je ferai tout. Wesh, c'est quoi cet arbre? Quoi? Une statue, c'est une statue. Un arbre, une statue. Et j'ai censé être dans le parc? Oui. Ah. Il faut qu'on le trouve. Il est chez nous. En fait, on n'est pas loin. Pokémon, attrapez tous ces... Ça dit qu'on est à côté du truc. Tous ensemble pour la victoire. Pokémon, qu'est-ce que c'est ça? Oh, attends, il est là le truc. On le l'arbre. Voit pas. Ouais. Le truc, il est l'arbre là. L'arbre est censé être là. Il est censé être... Ah, il est là-bas, je le vois. Impossible. L'arbre que l'on cherche est là-bas. Non, je l'ai raté. Pendant qu'elle avance, voilà. Moi, je continue à attraper des Pokémon. Voilà. C'est assez calme, il n'y a pas trop de vent, non, vous entendez bien. Des Pokémon. Et j'ai voilà, nous allons continuer à avancer. Lui, on l'a déjà. Jessie Jess, où es-tu? Je t'ai perdu. Ah, avancez. Je suis là, je suis... J'ai montré ouais, la okay. Statue. Ça marche. Parce que ce n'était pas un arbre, mais une statue. Une statue, ouais. Voilà. On ne peut pas aller... Oh, c'est quoi ça? Un duduo. Un duduo. Un doduo, pardon. Ça m'a attrapé le doduo. Ça m'a trop fait penser aux barquettes de Nutella où il y a le côté bâtonnet et le côté Nutella. Oh, c'est grave bon ça. Un doduo, je sais pas pourquoi je pensais à ça. En plus, je l'ai attrapé, on y va. Oh, pardon, j'ai fait une personne en produit, j'ai cité une marque. C'est pas grave. Nous allons continuer, en même temps, je découvre le parc parce que je le connais pas du tout. Oh. Voilà. Quand ça vibre, c'est qu'il y a un Pokémon. Voilà. Ce parc est magnifique et il fait un temps radieux comme vous pouvez le voir. Bien sûr, je suis en pantalon, mais c'est qu'il fait frais, il fait beau, mais il fait frais. Ouais, n'en parlons pas. N'en parlons pas de ce pantalon. Il y a des animaux ici. Ah ouais. Alors, ne va pas jeter les Pokémon dans les animaux. Ah ouais, des animaux?
Oui. Comme ça. Ici, comme vous voyez, il y a des animaux. De toute façon, on va passer devant. Hein. Ouais, il y a un Pokémon devant le chaise. I play Pokémon Go every day. Excusez-moi. Ah ouais, ça sent bien la crotte de... Ça sent bien la crotte de je sais pas quoi. Un miaouche. Miaouche ? Un miaouche. Oh, la Team Rocket est dans les coins. Dans les coins, dans le coin. Punaise, arrête de sauter toi. Oh, j'ai plus de Pokéball. Pas trop, oh, je peux plus rien attraper. Ah, je peux plus rien. Ah, ça va être. En j'ai plus de Pokéball. Mais t'as voulu prendre un méchant en plus. Oh, bon, on va partir en courant. Et nous allons aller chercher. Il y a une biquette là-bas. Un Pokéshop. À droite. Est... je sais pas où, vers qui est dans les chèvres. Ouais, dans les chèvres. Nous allons essayer d'aller chercher le Pokéshop. Parce que j'ai vraiment besoin. On va retourner à la case départ. Je sais pas. Non, quand même pas. Regardez comme c'est magnifique, sérieux. Si vous voyez des animaux, dites cheese. Non, j'ai pas. Cheese. On a vu. Oh, oh, trop mignon. Oh, des ânes. Un âne. Un petit lapin. Là, il y a des ânes. Ah, faudra que tu filmes, il y a un petit lapin. Je sais pas si vous voyez. Bon, donc elle filme. Suzanne. Oh, des animaux. Trop beau. Et là, nous avons une chèvre. Il y a un petit lapin par terre. T'as un petit lapin par terre. Tu l'as vu ou pas? Là-bas. Tu l'as passé, c'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as une biquette. Salut, toi. Salut, vous. Bien ou bien? Bon, moi, pendant que j'ai plus de Pokéball, je vais continuer à avancer. Il y aura des animaux. Jess, attendez-moi, s'il vous plaît. Continuez à filmer les animaux, il y a des lapins là-bas. Je suis votre secrétaire, attendez-moi un minimum de respect. Voilà ce qu'on a vu. Je veux le Pokéshop, moi. La dinde, gars. Alors je fonce. Le Pokéshop est à la maison. On cherche les animaux. Ce qui est bien, c'est que on trouve les Pokémon. Et on passe de des cailloux à la terre. C'est bon, j'ai le Pokéshop. Nous allons pouvoir continuer notre aventure. Le vent se lève, excusez-nous. Ouais, le vent se lève, bien sûr, au moment qu'il y a de l'ombre. Nous allons pouvoir continuer notre route. Chasse aux Pokémon. J'ai réussi à avoir quelques Pokéballs, il ne faut pas que je fasse d'erreur quand je les attrape. Ce parc est juste incroyable. Il est grand, il y a des animaux, il est beau. Il y a tout ce qu'il faut ici. Un lac, des Pokémon. On va faire un peu le tour du parc. Oh. Je vais pas filmer ce truc. On va pas dégoûter les. Tu m'as dit oh un animal, j'ai failli filmer le sol et puis j'ai vu qu'il était mort. C'était un oiseau écrasé, j'ai fait ah. Et Dora et Florentis, tu marches trop vite. Oui, on va montrer à nos chers, enfin à tes chers abonnés les lieux où nous sommes. Donc là aujourd'hui c'est le magnifique parc, on ne dira pas son nom parce que c'est privé, mais un parc près de chez nous. Voilà, 20 minutes de moi à 1 heure de toi. C'est ça, non? À 1 heure de moi. En bus, non. Je ne sais pas où on va, mais je te suis. Alors, tu m'as dit on va voir le lac et après je me retrouve face à un gros arbre comme ça là. J'ai pas trop compris. Fais prendre l'arbre. Alors que de base, je suivais Jessie Jess. Ah, mais il y a des canards. C'est déjà ça. Je joue à attraper des canards. Je joue à attraper des canards. Oh, Jessie, Jess, tu vas où? Là. Pourquoi je me bouge les feuilles, moi? Ah, Jessie, Jess, il y a des gens. Montre le lac. La magnificite. Bon, en vrai, ce mot n'existe pas. Ce lac est magnifique.
Je suis Jess, tu vas où? Je vais à la reine. À la reine. Regarde, les canards, t'as montré les canards? Où ils sont? Un canard blanc là-bas qui nage. Un canard blanc. Il se fait sa toilette. Un canard blanc, est-ce que ça existe? Il se fait sa toilette. Ben, le canard c'est blanc. Hein. Est-ce qu'on appellerait pas ça un cygne? Non, je dis quoi. Tout est normal. Hop hop hop, il y a une nugget. Arbre 40 écus. Ginkgo. Salut. Biloba. Ginkgo. Goacé. On y va. Ça y est, t'as fini de lire Ginkgo Goacé, je sais pas. Ouais. En fait, c'était effacé, c'était dur à lire. Il y a deux arènes. Plan d'eau, danger, attention. T'es prête? Oui, prête. Copalme d'Amérique, liquide en bas, Striraciflua, Amamelidece, on y go. C'est vrai qu'elle fait sa prière devant l'arbre. Elle balance des trucs, des mots qu'on ne connaît pas. Bah je lis, désolé hein. Où allons-nous, Dora l'exploratrice? À la reine. Nous allons où? À la reine. Nous allons où? À la reine. Go à la reine. Go voir le roi. Ah, c'était drôle. Alors attends. À la reine, voir le roi. Vous avez compris ma vanne? Il faut aller. Faut aller par où, cocotte? Il y a un petit pont, faut aller tout droit. Faut aller tout droit. Faut aller tout droit, à la reine. En nous fait, allons... elle va nous ramener là où on était au début. À la reine. Oui, parce que la reine était rouge et c'était celle du début. C'est exactement ça. Ouais, ouais, qu'est-ce que c'est? Quoi? Un photonilus. Ah, elle a trouvé un Pokémon. Mais je l'ai raté, wesh. Mais j'ai plus de Pokéball. Mais non, mais c'est pas possible, j'ai raté là. Mais tu sais pas viser, hein. Mais non, ça fait qu'un... Et un an après, j'y rejoue. C'est compliqué d'y rejouer un an après. Moi, il faut au moins 40 essais avant d'attraper le Pokémon. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu de ta main? Oui, exactement, j'ai perdu ma main. Ah là là. Je l'ai perdue. Il m'en reste plus qu'une, elle est là. On ne dira rien. Vu que je ne peux pas faire grand chose, je pense que la vidéo va se finir là. Attendez, avant ça, je vais vous lire un arbre. Je vais vous lire un arbre. Tout est normal. Quercus rubra, chêne rouge d'Amérique. Pagacé, on y go. Je vais vous lire un autre arbre que j'ai vu. Attends, je veux montrer ce qu'il y a écrit pour les gens qui se rendent bien compte à quel point je me retrouve face à des trucs qui ne veulent rien dire. Ah si, chêne rouge, ça veut dire quelque chose. C'est juste que j'ai pas lire moi. Hey, Jess. Là, la capture de mon écran va s'arrêter maintenant, vu que je n'ai plus de Pokéball, je ne peux plus faire grand chose. Je vais l'arrêter tout de suite. Pokémon, goodbye. Ça fait qu'il reste que toi et moi. Il ne reste que toi et moi. Je vais lire un arbre. Marronnier d'Inde. Aesculus. Hippocastalum. Hippocastanacée. On y go. On va faire la fin ici, hein. Bon, qu'as-tu pensé, ma caméraman, de ce petit moment? Très, comment dire, divertissant, voilà, c'est ça le mot. D'accord, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on vous a montré quelques petits endroits du parc, voilà, malheureusement je n'avais pas assez de Pokéball, j'aurais dû prendre beaucoup de Pokéball avant de venir, mais je ne savais pas, voilà, c'est pas grave, si vous voulez qu'on continue, la prochaine fois je prendrai max de Pokéball, et comme ça on pourra faire une vraie vidéo. Pas trop longue ni trop courte, ça devrait aller je pense. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, la partager, la commenter.
me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine!